Pourquoi tu fais des blagues comme ça? Il a pris. Oh, et celui-là, ah non, bah non, je suis trempé. Celui-là, il l'a, t'as pas loupé, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où est-ce que je me fais arroser par le poisson. Tony, il est en plein combat avec un silure qui vient de ferrer il y a quelques minutes. Un super poisson qui est plein de vie, plein de vitalité. Je vous montre ça. Bon bah Tony, il a pas voulu se salir, hein, chef. Remise à l'eau tout de suite. On refait une autre dérive pour essayer de trouver plus gros. Et puis on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est des beaux poissons. Hein. Hop, tu vois, on peut demander son reste. Bon, aussitôt relâché, aussitôt on va dire rattaché, le vif est déjà au bout de la canne. Tony, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui sur la Loire? Qu'est-ce que je fais de beau? Bah écoute, on va se faire une petite pêche en dérive au flotteur. Ouais. Ça commence plutôt pas mal. C'est pas la pêche que je pratique le plus, mais bon, ça change. Ah. Alors oui, il a fallu batailler pendant longtemps pour dire à Tony, tu viens avec moi, on va pêcher au vif, on va pêcher au flotteur, faire une pêche en dérive. Tony préfère la pêche au leurre parce que c'est plus pratique, moins de manutention, plus propre. Et puis les touches quoi. Ah, je préfère le coup de fusil dans la main que de voir le flotteur couler. Ouais. Ah bah tu me diras, la semaine dernière, le coup de fusil, je l'ai bien eu dans le bras. Beau poisson de 1m38, il m'a fait plaisir. Mais bon, là, aujourd'hui, je délègue un peu parce que j'ai toujours mal au bras.
Enfin, c'est pas très grave. On est à la pêche. C'est une journée de plaisir, j'ai envie de dire. J'espère que vous y allez aussi. Cette semaine, donc, pêche avec la canne, la Trophée Loire-Silure. Donc, c'est une canne qui avait été faite spécialement pour le concours qui a été mis en place à Gênes par les Fervents de la Gaule. Donc, le TLS, Trophée Loire-Silure. Une édition spéciale, cette canne. Et elle est vraiment bien. Elle reprend le blanc de la Pro 4 Boat. Donc, c'est une canne de 2m40, 300 g de puissance en deux brins. Et sincèrement, c'est une bonne petite canne pour combattre les petits, des poissons 1m30, 1m40, jusqu'à des plus de 2m40 sans problème. Bon, c'est parti, ça dérive. On rattaque. C'est parti, le moteur, il est en place. Le flotteur, il est en place aussi. Hop, juste là-bas. Et là, normalement, on prend plus gros. Ah, mais faut commencer petit. Faut commencer petit, ouais. Oui, parce que ça reste quand même un beau poisson. Et c'est vrai que chez nous... C'est un poisson correct, mais pour le bief... C'est la taille, on va dire, standard. Ouais, si seulement on peut avoir une petite touche... Là, en direct, je vais essayer de vous filmer ça, les amis. Oh putain, me dis pas que je le dépique encore une fois. Putain. Bon, énième dérive. T'as changé de maillot, toi? Il y a eu un accident, accident de botte de sardine. Accident de sardine. Ah, il s'est sali, il a pas apprécié. Énième décroche, une décroche pour Tony tout à l'heure, deux décroches pour moi. C'est pas faute d'avoir essayé, manque de réussite. On va continuer, t'es pris dans le moteur, non? Non, c'est bon. On va continuer à dériver au flotteur, donc juste derrière nous. Voir ce que ça va donner. Les poissons ont l'air d'être plaqués le long des bordures. Le problème, c'est que on n'arrive pas à les prendre. Ils tapent mal. Ils tapent mal et on ferre mal aussi. Il y a beaucoup de courant. On est obligé de pêcher en dérive. On est obligé de suivre le poisson. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait. Tony, j'ai confiance en toi. Tony vient de me dire, ah, ça me déçoit, je vais être obligé de te montrer. Donc écoute, on a hâte de te voir en image. T'es prêt? Go, go, c'est parti. C'est pendu et pour l'instant, c'est pas décroché. C'est sale pour l'instant. Thank you.
It's a big fish. Yes. Oh, c'est grand. Okay. Mmh, les gants tout secs. T'arrives à faire les deux? Hop. Anthony, je vois que t'as toujours pas envie de te salir les mains. Bon, oh, un poisson qui fait 1m60, 1m70. Bon, bah impeccable mon chef. Ah merde, c'est filmé. Arrête. Putain. Pourquoi tu fais des blagues comme ça? Ah non, t'as pas le droit de faire des blagues comme ça. Ah non. Avant la palette, il s'est fait empaler. Ah, il s'est fait empaler. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à la palette. J'arrive à préparer. Tiens. Oh. Tiens. Ah, il a relâché. Attends. Avant la palette. Avant la palette. Je l'avais dit. Avant la palette. Oh, il est maillé. Il est là. La mesure. La mesure à plat. Hop. On découvre les résultats ensemble. Il y a combien? 2,40.
2,42. Voilà. Et là, j'ai 2,42. Bon, bah, tu vois, j'avais dit 2,30. Il est long et fin. Bon, ça y est, on vient de le faire. Un super poisson de plus de 2,40 m. Franchement, c'est génial. Ça fait plaisir de prendre des poissons de cette taille-là. Tu nous fais la release, Tony ? Oui, c'est parti. Je vais pas te laisser partir. Mange les gants. Il voulait t'emmener. Ouais. Tranquillement. Une belle fin de vidéo, on va clôturer là-dessus. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao.